Que devient Blaise Compaoré? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette nouvelle vidéo pour découvrir les dernières nouvelles. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Blaise Compaoré a été une figure centrale de la politique burkinabé pendant près de trois décennies. Président du Burkina Faso de 1987 à 2014, il a été condamné à la prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat de son prédécesseur et ami proche Thomas Sankara. Thomas Sankara était une figure emblématique de la révolution burkinabé, il a été tué avec 12 de ses compagnons lors du coup d'État de 1987. Compaoré a pris le pouvoir après ce coup d'État et a été élu président de la République en 1991 à l'issue d'un scrutin contesté. Il a ensuite été réélu en 1998, 2005 et 2010. Cependant, après 27 ans et 15 jours au pouvoir, Blaise Compaoré a été chassé par une insurrection populaire le 31 octobre 2014. Cette insurrection a été marquée par des manifestations massives contre sa tentative de modifier la constitution pour prolonger son mandat. Face à la pression croissante, Compaoré a fui le pays et s'est exilé en Côte d'Ivoire. Depuis sa chute, Blaise Compaoré est très affaibli. L'ancien président burkinabé serait atteint d'hydrocéphalie, une pathologie qui provoque chez lui des troubles neurocognitifs. Il connaît ainsi des absences, des difficultés à s'exprimer et à se déplacer. À plusieurs reprises, il a été annoncé mort par de nombreux médias sociaux, mais ces informations se sont avérées fausses. Les réseaux sociaux colportent toutes sortes d'informations, vraies comme fausses, anodines comme terribles. De nombreuses personnalités ont déjà été victimes de fausses rumeurs de mort se propageant sur Internet comme une traînée de poudre. Il s'avère que les agences de presse préparent des nécrologies de grandes personnalités pendant qu'elles sont encore en vie, mais celles-ci ne sont jamais publiées avant la confirmation de leur décès, sauf par erreur. Par exemple, le 16 novembre 2020, suite à une erreur technique, les nécrologies d'une dizaine de personnalités ont été involontairement publiées sur le site internet de RFI avant d'être rapidement retirées. Le retrait a été suivi d'excuses pour la publication involontaire de ces nécrologies, dont celle du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, décédé le 16 janvier 2022, et de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, encore en vie. En Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré vit dans une relative discrétion. Il a obtenu la nationalité ivoirienne en 2007, ce qui lui permet de rester dans le pays malgré les demandes d'extradition du Burkina Faso. Sa santé fragile et son isolement ont réduit son influence politique, mais il reste une figure controversée et un sujet de discussion dans les cercles politiques et médiatiques. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Veuillez nous laisser un like, un commentaire et surtout, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À bientôt.